Ils se sont assis pour discuter, entourés de quelques membres du gouvernement, Jeannot Kouadio-Aoussou, le ministre d'État auprès du président de la République et coordonnateur du cadre permanent du dialogue, a demandé à l'ex-parti au pouvoir, le Front populaire ivoirien, de s'inscrire dans le processus de paix et de réconciliation. Il a aussi demandé au parti de lancer deux appels, l'un pour le retour de ceux qui sont en exil et l'autre pour l'apaisement des cœurs. Au terme de cette rencontre, au cours de laquelle ont été évoquées les questions liées aux conditions de reprise du dialogue politique et de la tenue des États généraux de la République, le FPI se dit prêt à faire des concessions. Nous sommes déterminés à tout faire pour trouver des consensus sur toutes les questions qui touchent à la crise post-électorale, afin que demain, les élections qui vont avoir lieu se tiennent dans un environnement apaisé, dans un contexte transparent, démocratique et crédible. Pour le gouvernement, il est aujourd'hui question d'aller au dialogue inclusif. Ce dialogue inclusif doit prendre en compte l'ensemble des partis politiques. Nous avons un cadre CPD qui a été mis en place depuis Bassam, il y a bientôt 2 ans. Sur l'ensemble des préoccupations soulevées, nous avons vu qu'il y a des progrès énormes depuis que nous avons engagé le dialogue politique. Des résultats sont là sur la question des exilés, sur des questions sécuritaires, sur les questions de dégel de comptes, sur le statut de l'opposition, sur la commission électorale. Il y a eu des questions qui ont été discutées, y compris dans les 4 commissions mises en place sous le Premier ministre Kabla Duncan avec le FPI. Selon le ministre Albert Mabri Touakeus, cette rencontre est un signe de bonne volonté dans la recherche de la paix. Elle inaugure aussi la normalisation de la vie politique, une normalisation qui se concrétisera bientôt par des rencontres avec l'ensemble de la classe politique ivoirienne et de la société civile.